Ça commence. Bonjour. Regarde-moi, faut que tu me regardes. Alors, présente-toi. Make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Bonjour, je suis Annie. J'ai découvert le twirling très tard, vers l'âge de 23 ans, à Houille. J'en ai fait à peu près 7 ans. Je me suis mariée, je suis arrivée au PEC. J'ai appris que la section de twirling s'ouvrait à l'USPEC. J'ai été voir, je me suis inscrite. Alors, je suis arrivée au PEC tout au début, en 2005. Ça va faire 15 ans que j'y suis. J'ai commencé par aider Christina aux entraînements des équipes ou des solos. Après, elle m'a poussée pour faire des formations. Alors, j'ai commencé par une formation animateur mini twirl que j'ai réussi. Après, j'ai fait une autre formation d'entraîneur à venir que j'ai réussi aussi. Et j'ai fait une formation, ce qu'on appelle un instructeur de club, que j'ai réussi aussi. J'entraîne des loisirs. Des loisirs et aussi des N3 débutantes. Une seconde. C'est un club qui est uni, engagé dans les compétitions. Les filles ont toujours la bonne humeur, les entraîneurs aussi. Et en réalité, nous sommes une famille. Alors, une anecdote. Moi, c'est une anecdote qui date d'il y a 15 ans. La première année où le club a ouvert, donc en 2005, nous avions une équipe cadette qui a été sélectionnée jusqu'en finale. Nous sommes allés du côté d'Elkirch. Et dans le trajet de l'aller, le minibus a crevé. Nous avons perdu un temps fou à essayer de trouver le cric du minibus. On l'a cherché dans le moteur, sous les sièges, dans le coffre, partout, mais on ne l'a pas trouvé. On a eu de la chance et qu'il y avait encore un parent qui était derrière qui a pu nous dépanner. Mais après, tout s'est très bien passé. Nous sommes arrivés là où on devait se loger. Nous avons été faire la compétition le lendemain. Les filles, elles ont bien réussi, elles étaient heureuses. Et au retour, ça a été très bien. J'espère pouvoir vous retrouver rapidement, puisque pour l'instant nous sommes encore confinés. J'ai hâte de les retrouver parce qu'elles me font beaucoup de bien. À bientôt, je vous aime. Pour décrire Annie, moi j'utiliserais les mots attachante, super couturière et ultra aimante. C'est une personne passionnée et gentille, super investie, encourageante. Annie est une personne fidèle. Elle est là depuis le début. Elle fait partie intégrante de ce club. Une personne aimante. C'est une personne très gentille. Elle est toujours là pour ses élèves quand ça va pas. Et elle fait des super beaux juste corps. Elle y met tout son cœur quand elle le fait, donc c'est super. Elle est très pédagogue avec ses élèves. Et c'est aussi une couturière hors pair. Elle nous fait de très beaux juste corps pour le club. Je sais qu'elle a de la passion aussi et pour les petites et vraiment elle est communicative. Merci Annie pour tout ce que tu fais pour nous. Bisous. Je te fais de gros bisous Annie. À bientôt, j'espère. Ciao ciao. Bisous. Gros bisous. Et bravo Annie, je t'aime. I'm the bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type.